Salut les métallos, la neige est là, alors on profite un peu des magnifiques paysages qu'elle nous offre, tout cela en attendant le printemps et son renouveau, un peu à l'image de la deuxième partie de saison du RFC Serein, porteuse d'espoir. Et pour ce premier magazine 2019 du RFC Serein, eh bien voici ce qui vous attend. Nous reviendrons d'abord, comme d'habitude, sur les dernières rencontres, les trois derniers matchs joués par les métallos au mois de janvier. Nous vous emmènerons ensuite à la rencontre de celui qui sera peut-être le meilleur transfert de ce mercato, le nouveau directeur sportif Arnaud Mercier. Et à propos de rencontre, nous poursuivrons nos portraits de joueurs avec celui qui s'imposait. Il est de retour pour alimenter le marcoir sérésien, j'ai nommé Florent Stévens. Et cette année 2019, elle avait plutôt bien débuté pour le RFC Serein. Retour sur le mois de janvier des Rouges et Noirs, c'est tout de suite. C'est en effet par un succès sur Dessel que Serein a repris le championnat. Les Sérésiens ouvrent rapidement la marque, Cassio met les métallos au commandement dès la 16e minute, mais Serein aurait dû faire le break ensuite. Il en a eu les occasions et non des moindres. Le premier tir cadré de Dessel, c'est un pétard mouillé juste avant l'heure de jeu. Des Anversois qui finissent tout de même par se dire qu'il y a peut-être un coup à jouer. Et en fin de compte, même face à une équipe réduite à 10 pour le dernier quart d'heure, c'est Serein qui tremble jusqu'au coup de sifflet final. Au Lyrse aussi, les Sérésiens ont eu les occasions. Et là encore, il ne manquait plus que la finition. Les jaunes et noirs, eux, ne sont nulle part. Et Serein finit tout de même par en profiter et passe devant grâce à un solide coup de tête de Mohamed Khan. Mais à la pause, ce n'est que 0-1. Et comme en face, les Liérois se sont fait remonter les bretelles et reviennent plus conquérants, l'égalisation tombe à la 66e. Et pour ajouter au malheur des Sérésiens, c'est un autobut qui offre les 3 points aux Liérois dans les arrêts de jeu. Face au RWDM, les Sérésiens souffrent dans le premier quart d'heure, puis équilibrent les échanges avant de porter l'estocade un peu avant la mi-temps. Et pour son premier match, c'est le fils prodigue, Florent Stévens, qui plante le 1-0. On s'attend alors à une furia molenbeekoise, mais il n'en est rien, et c'est finalement sur l'une de leurs rares occasions que les Bruxellois égalisent. On tentera bien ensuite de part et d'autre de glaner les 3 points, mais le marcoir restera figé sur ce score de 1-0. Je crois qu'on aurait pu revendiquer beaucoup plus, notamment la semaine passée au Lyre. Cette semaine encore, on a eu, comme j'ai dit, des situations où on aurait pu se mettre à l'abri et prendre les 3 points. Donc au final, c'est pas exceptionnel, mais je pense qu'on reste malgré tout sur la bonne voie. Il y a beaucoup d'envie, beaucoup de caractère dans le groupe. Et il faut continuer à travailler de la sorte et s'accrocher parce que rien n'est encore fait à tous les niveaux. Voilà, comme vous le dites, à tous les niveaux, il faut prendre match par match. Mais on sent bien qu'une petite série et vous êtes propulsé au-dessus. Oui, c'est clair, comme une mauvaise série peut nous propulser en dessous aussi, donc il faut garder un œil dans le rétroviseur, mais garder aussi en tête qu'en faisant une bonne série, on peut se rapprocher, mais maintenant il est grand temps de la faire. Ça ne vous aura pas échappé dans le récapitulatif que nous venons de voir, de nouveaux noms ont fait leur apparition dans les compos d'équipe du RFC Serein. Et pour cause, le club a pu laisser derrière lui cette interdiction de transfert de la FIFA et en a profité pour renforcer son noyau. Alors pour vous aider à vous y retrouver, eh bien voici un petit récapitulatif du mercato de janvier. We'll be right back.
Et si vous avez été attentif, eh bien il en manque un. Ne cherchez pas sur le terrain, mais plutôt dans les coulisses. Un peu à l'instar de Florence Thévenans et Lilian Bauchet, il a fait aussi son retour au club. Mais lui, c'était au tout début du mercato. Il y a comme un parfum de changement opéré. Un changement annoncé, celui de directeur sportif. Et le président franchi a misé sur un ancien de la maison rouge et noire, Arnaud Mercier. Un homme qui apporte ses idées, sa vision, afin de professionnaliser encore plus l'encadrement sportif. Quand on arrive, on regarde, il y a une réalité, il faut observer, réfléchir, discuter, écouter les gens et prendre des décisions. Donc l'important c'était bien sûr d'observer, d'échanger beaucoup avec le coach, avec la présidence, avec le staff technique, avec les joueurs par la suite, pour voir un petit peu ce qui pouvait être amélioré. Donc du changement, il y en a eu, bien entendu. Le principal changement, je pense que c'est dans le quotidien, pour essayer d'amener, que ce soit les joueurs ou le coach, le staff, à plus de focus, j'ai envie de dire, sur ce qu'ils vivaient au quotidien, c'est-à-dire l'entraînement. Je trouvais que le coach était un petit peu parasité sur la manière de fonctionner, parasité entre guillemets, et donc optimiser certains postes. En deux mots, rigueur et professionnalisme. Fini les GSM avant les séances, veiller à l'image du club dans les lieux publics, bref, comme le dit lui-même le directeur sportif, repréciser des règles communes déjà fixées. En même temps, on est très proche du terrain. Comme on est dans les pas du coach, on suit pas à pas justement les entraînements, les avant, les pendant, les après. Et on essaye de soigner tous les petits détails qui vont permettre d'optimiser la performance individuelle au service du collectif. Donc c'est ça qui est important. Bien sûr, en cohérence avec le coach, et ça c'est indéniable, la relation elle doit être très forte, elle l'est, pour permettre d'optimiser tous les points qui vont nous permettre d'être beaucoup plus compétitif dans ce championnat de D1 maintenant. Depuis son arrivée, l'homme soigne les détails. Au VIP, lors des après-matchs, en semaine lorsqu'il faut dégager les terrains synthétiques recouverts de neige, ou lorsqu'il faut servir de chauffeur pour conduire un joueur à un rendez-vous médical. Ce jour-là, c'est Ibrahim Abba qui doit passer un examen de contrôle, direction Liège et le cabinet du docteur du club. Sur le chemin, Arnaud Mercier se laisse aller à la confidence concernant une qualité de jeu retrouvée par l'équipe depuis la reprise. Sur le contenu, il y a largement du mieux et c'est encourageant. Maintenant, il faut prendre des points, quoi. C'est le plus important. Quand tu es technicien, tu t'attaches au contenu. Le contenu était quand même intéressant, vraiment. Fin de l'examen médical. Le directeur sportif est rassuré, le joueur aussi. La reprise avec le groupe est proche, des bonnes nouvelles à rapporter au coach. Je pense qu'il faut de toute façon accompagner nos joueurs, il ne faut pas les laisser comme ça dans la nature. Nous on a une structure aujourd'hui, on se doit d'aller visiter des structures médicales pour avoir des diagnostics plus précis. Donc au lieu de laisser le joueur dans l'aventure comme ça, on va lui montrer qu'il y a un encadrement, qu'il y a de l'attente aussi au niveau des investissements qui ont été faits, j'ai envie de dire, investissements humains. Dans le cas pour Ibrahim Abba, il vient d'être transféré, malheureusement pour lui, il a été blessé assez rapidement. Donc c'est un joueur important, on l'a recruté pour son expérience et il manque à l'équipe aujourd'hui qui est assez jeune. Donc on a envie qu'il revienne dans les meilleures conditions possibles, mais il ne faut pas brûler les étapes. Donc c'est aussi avoir un bon suivi, d'abord médical par Donatienne, qui a eu le bon réflexe aussi au quotidien avec nous, et puis d'avoir une expertise encore plus poussée auprès du médecin Jean Vervier. Aujourd'hui, donc le binôme dont vous parlez, oui, c'est normal, il faut accompagner le coach et c'est aussi accompagner les joueurs. Janvier qui vient de s'achever a aussi été rythmé par le mercato. Enfin, le nouveau directeur sportif est satisfait du travail accompli, les profils et les joueurs souhaités sont désormais opérés. S'il s'agit dans un premier temps de stabiliser le club en D1 amateur, les objectifs à moyen terme sont clairement tout autres. Dans les 2 à 3 ans, une montée en D1B. Alors aujourd'hui, dans le format du championnat de D1 amateur, c'est compliqué d'y accéder parce qu'il n'y en a qu'un seul montant. C'est difficile. Il faut être beaucoup plus performant que les adversaires. On le voit, on a une équipe jeune qui demande qu'à apprendre avec un bel état d'esprit, je trouve. Donc on a déjà une belle matière. On essaie de renforcer un petit peu tout ça pour atteindre
L'objectif déjà d'être une équipe très compétitive qui va pouvoir peut-être par la suite dire son mot dans ce championnat, en espérant peut-être que le format du championnat change aussi, parce que ça laisse quand même peu de chance dans le format actuel de réussir ce pari. Autre pari plus personnel, professionnaliser les structures du club. Si on me laisse faire, pour paraphraser certains, Arnaud Mercier espère juste être suivi dans ses idées et sa façon de fonctionner. Ce n'est pas parce qu'on change d'année qu'on change d'une formule qui plaît. Alors on continue en 2019 nos portraits de joueurs, l'occasion de découvrir sous un angle un peu différent tous ceux qui prestent sur le terrain. Et pour débuter cette nouvelle année, il y en a un qui s'imposait, le fils prodigue, qui a fait son retour à la pointe de l'attaque sérésienne. Florence Thévenans, c'est un petit peu le retour au bercail, c'est ce transfert qu'on attendait aussi au mercato. Alors, comment ça s'est passé finalement, ces discussions, et qu'est-ce que vous espérez amener au club ? Bon, déjà oui, c'est sûr que c'est un retour à la maison. Hein. On peut dire que j'arrive dans un club qui ne m'est pas inconnu. Donc voilà, je suis très content d'être ici maintenant. Et puis on va essayer d'apporter au club ce qu'ils ont envie de faire, c'est-à-dire de monter en division 2 déjà le plus rapidement possible. Compliqué à votre arrivée, puisque le club est quand même pour l'instant empêtré dans le bas du classement. Déjà, stabiliser l'équipe, rendre un peu de confiance, marquer des buts, c'est ce qu'on vous demande d'abord. Oui, après je suis un attaquant. Un attaquant, on lui demande beaucoup de marquer des buts, donc ça sera ma première mission. Mais entre guillemets, ma plus grosse mission, c'est d'amener le club où il veut être à l'heure actuelle et surtout aider l'équipe dans ce beau projet, ce gros projet qui m'a vraiment plu. Dans la discussion. Oui, vous étiez à Tours, vous étiez reparti en France, finalement après une belle expérience ici en Belgique qui vous avait amené dans un premier temps d'ailleurs à Serein. Ça ne s'est pas bien passé là-bas, expliquez-nous un petit peu. Si, très bien. Après, c'est juste une décision purement personnelle. Donc voilà, j'avais envie aussi de me rapprocher de ma femme et des enfants. Et puis voilà, j'ai eu une grosse discussion avec Arnaud Mercier que je connais très bien, qui m'a proposé ce projet ici, et c'est vrai que revenir un peu, comme vous dites dans la première question, dans un club comme ça, c'est toujours plaisant. Je pense que je suis parti sur une belle note, donc j'espère revenir avec la même mentalité et la même envie pour justement refaire plaisir à tous ceux que j'ai côtoyés et connus ici. Oui, c'est un deuxième chapitre finalement que vous écrivez ici en Belgique. Hein. On vous a connu d'abord au Framborin, à Serein, à Charleroi, où vous êtes brièvement passé, mais on va y revenir. Et alors, vous avez aussi joué à Tubize et à Roulers. C'est quand même un gros parcours hein, ici en Belgique. Oui, c'est ça. Après, Tubize-Roulers, ça a plutôt été des prêts. Mais vraiment, oui, j'ai commencé vraiment ma carrière en Belgique à Boussudour, avant de venir passer ma première saison à Serein, où notre club, justement, par des problèmes extra-sportifs, avait dû être vendu. Donc Serein en a profité pour le racheter. Donc voilà, il fallait continuer le contrat. Et puis je pense qu'il a été très bien réussi ici à Serein la première année. Oui, c'était l'explosion. Et puis la D1 à Charleroi. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné là-bas? Qu'est-ce que vous n'avez pas reçu peut-être? Cette chance, cette capacité à vous montrer? Non, c'est pas ça. C'est qu'après, on arrive dans un gros club, dans une grosse division. Donc il fallait aussi prouver pourquoi on était là, mais voilà, après j'étais embêté par une blessure au genou, donc après pour revenir dans une division comme ça, c'est compliqué. Vous êtes un joueur d'expérience, 30 ans justement, c'est aussi ce dont le club a besoin, clairement hein, pour l'instant. C'est sûr qu'à 30 ans, on a guéri une certaine expérience. Après voilà, à mon âge, je pense que je vais pouvoir apporter aux jeunes ce qui leur manque, et que ce soit les jeunes ou le groupe en lui-même. Donc voilà, maintenant on va avoir des objectifs très clairs à réaliser, et je suis là, je suis arrivé justement pour les faire. On disait 30 ans, mais vous n'avez pas une expérience non plus de 10-15 ans de professionnel. Vous êtes arrivé sur le tard quand même au foot pro en tout cas. Oui, très tard, parce que moi je n'ai pas connu les centres de formation, etc. Je suis vraiment arrivé dans le football sur le tard. Donc voilà, ça a été mes divisions
en France, entre guillemets, que ce soit DH ou CFA2, c'est les plus grosses divisions où j'ai joué, avant d'arriver en D2 avec Arnaud Mercier à Boussu-d'Or. Donc voilà. Et comment ça se fait justement que vous avez pu percer au niveau professionnel en Belgique en étant finalement inconnu en France? Bah, j'ai beaucoup travaillé justement, c'est ce qui m'a un peu forgé une carapace et un mental d'acier. Avant d'être footballeur, j'ai vraiment eu un travail difficile dans la vie active. Donc c'est ça qui m'a permis de réussir actuellement ce que je fais. Pas de regret certainement sur le changement de statut, je suppose. Hein. Ah non, du tout. Du tout, je suis Florence Thévenin et j'y resterai. Les tatouages qu'on peut voir sur votre corps, c'était déjà avant la période professionnelle ou c'est devenu une mode quand vous êtes devenu footballeur comme d'autres? Non, j'en avais déjà avant d'être footballeur, donc c'est pas la mode du footballeur, c'est moi, c'est des tatouages qui me représentent un peu, donc c'est pas du n'importe quoi, c'est vraiment tatouer quelque chose qui fait que voilà, ça me met en valeur. Florent, un bon deuxième tour avec Serein et espérons évidemment que vos projets et ceux de Serein se réalisent. Merci beaucoup. Et bien voilà, c'est déjà tout pour ce premier numéro de 2019. On se retrouve dans 4 semaines pour la suite des aventures sérésiennes avec, on l'espère, de belles prestations et pourquoi pas peut-être cette remontada dont on parlait il y a un mois. Salut les métallos, portez-vous bien. Bon, c'est beau, mais c'est froid quand même. Hein. Vivement le printemps.